Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, sur encore les Sims, je continue à fond les Sims au travail, le test. Donc, aujourd'hui, on se trouve pour la carrière de scientifique. Vous avez dû le voir ici, le petit logo de scientifique. Donc, c'est l'avant-dernier épisode, je pense. Je ferai peut-être un petit neuvième quand même pour, comment dire, pour vous montrer, comme je vous avais dit, les avis de recherche dans le détective et comment on emprisonne, comment on fait parler la victime, enfin le criminel, on va dire. Donc voilà, mais je le ferai pas vraiment tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de packs à vous montrer et sinon je vais plus m'y retrouver. Donc voilà, autant faire tout ça comme ça, on aura tout rattrapé et je pourrai être dans le temps quand il y aura un nouveau pack qui sort, etc. Donc voilà, nous allons commencer. Voilà, donc avec la même Sims qui fait bien nos tests, hein. Donc nous commençons avec technicienne de laboratoire et nous allons exercer tout de suite les voilà, restez tard. Les petites demandes, on va dire. Ah voilà, donne l'Otario. Voilà, je sais plus c'était dans quelle vidéo. Je cherchais le nom du Sims et c'était donne l'Otario. Donc voilà. Ah voilà, c'est bon. Ça fait du bien d'avoir trouvé le nom. Voilà. Donc faire une première découverte. Alors comment on fait les découvertes, je ne sais pas. Donc, à ce que je vois, ils disent les découvertes sont d'activer les résultats. Ok, donc sinon faire une expérience avec le laboratoire de chimie. Qu'est-ce que c'est que le laboratoire de chimie? Non, franchement, je n'ai quasi jamais. D'ailleurs, c'est même pas quasi. Pourquoi je dis quasi? Je n'ai jamais fait cette carrière. Donc, je découvre un petit peu en même temps que vous, si vous y avez jamais joué, bien sûr. Non, là, je vous avoue que je ne sais pas. Alors, attendez. Ah, c'est, je crois que c'est là. C'est ça. Hein. Non, mais là, on peut que contempler. C'est pas possible. Ah, c'est hideux. Attendez. C'est quoi ça? Je suis désolée, mais ça, c'est pas un alien. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est quoi ça? Ah. Je sais pas ce que c'est, mais ça me dégoûte. Berk. En plus, il flotte dans quelque chose. T'es dégoûtant. Mon gars, t'es dégoûtant. Je sais pas qui t'a emprisonné là. Prendre une douche. Alors, ça, c'est une douche. Ça, c'est une douche. Je sais pas d'où ils ont vu que c'était une douche. Mais pour moi, ça, c'est pas une douche du tout. C'est rien du tout. C'est juste un cube. C'est là. Faire une expérience avec le laboratoire de chimie. Ça? Analyse. Je n'en sais rien. Faire une expérience, c'est bon, j'ai enfin trouvé. Bon, ça m'aura pris quand même 3 minutes avant de trouver. En même temps, je découvre un petit peu le lieu. Donc voilà, on a Gina Caliente. Voilà, donc je découvre un petit peu le lieu en même temps que vous, si vous n'avez jamais joué. Donc, bah, oh là, pardon. Hop, donc c'est bon. Alors, bah c'était pas ça. Cliquez sur le bouton faire une expérience. Bah j'ai fait une expérience là. Ah moi j'ai pété la machine. J'ai tout loupé en fait. Ça là? Non c'est contemplé. Non là c'est le bureau, ça je sais. Non mais là je sais pas. Hein. Franchement je sais pas. Si c'est pas ça. Ah mais si c'était ça, c'est bon. Alors, inventer le conservateur d'impulsion. Alors je crois que la machine pour créer les objets, c'est ça. Ouais. Voilà, donc ressemble à des idées ou inventer un appareil. Donc nous, faut faire le conservateur d'impulsion. Cette petite machine. Rassembler des idées, sinon on fera. Et après, on peut vraiment créer des lampes de l'espace, vraiment faire beaucoup de choses. Et c'est plutôt sympa parce que je me suis quand même renseignée avant de faire ce pack, quand même, de l'acheter. Ou même de jouer. Donc je regarde un petit peu d'autres vidéos. Je regarde un petit peu comment ça se passe quand même. Parce que sinon, franchement, vous me mettez devant un jeu que je connais pas. Je peux chercher pendant très très longtemps qu'est-ce que tu me fais là. Parce que là, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'elle a obtenu? Une pique en pite? Non, pas du tout. Une fausonite. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Non mais là, les Sims, ils inventent n'importe quoi. Mais allez là! Ok, t'es enceinte, mais on s'en fiche, je vais aller travailler quand même.
Allez, allez. Elle est longue, hein, à travailler. Après, là, comme c'est notre premier jour de travail, c'est un truc normalement tout simple. Tout, c'est la base. Mais est-ce que après, il y a des choses un peu mieux? Comme par exemple, je sais pas moi. Oh, regardez comment c'est créé. Attendez, vite fait. Oh, c'est super bien fait. On dirait les imprimantes 3D. Ça apparaît. Ah ouais, c'est bien fait. Regarde, ça apparaît petit à petit. J'adore. Ça scanne les pièces. Sympa à observer, j'aime ça. Alors. Donc là, il scanne vraiment chaque pièce. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il est bloqué? Non. Ah, il continue. Bon, pendant qu'il scanne tout. Ah non, c'est bon, il a fini. Voilà, donc en plus, on dirait que c'est vraiment un humain puisqu'il bouge la tête et tout et tout. Voilà, donc là il fait des jets pour construire, à ce que je vois. Oula! Il est en train de tout. Il est en train de faire cramer le laboratoire là en fait, hein. T'as fini? Non? On peut pas essayer de voir comme ça. Fuminor. Ah, ça fait mal aux yeux. Voilà, c'est bon, t'as fini? Ah, et là on voit en effet la machine. Ah, oh, c'est super! Ah ouais! Sympa, franchement, c'est super sympa! Alors, donc ça nous sert à rien par contre. Ça, je vous avoue que ça nous sert à rien. Donc, rassembler des idées, on avait dit. Donc, en attendant qu'elle fait ça, je vais dire ce que je voulais dire. Donc, je continue ma phrase que je voulais dire de quand même depuis tout à l'heure, hein. Donc, comme c'est. Je n'ai jamais fait la carrière scientifique, que là, je la teste vraiment en même temps que vous, alors que j'avais eu au travail le jour de sa sortie, je crois. Ou alors 2 jours après sa sortie. Donc vous pouvez voir quand même que ça fait plutôt longtemps. Et je n'ai jamais fait la carrière de scientifique. J'étais toujours attirée par détective ou médecin. Tout le temps. Donc je peux pas vous dire si par exemple il y a des trucs beaucoup plus amusants comme dans la carrière de détective quand on fait les avis de recherche. Je peux pas vous dire si on peut vraiment aller dans le monde des extraterrestres. Il me semble que oui. Il me semble que normalement justement les scientifiques, cette carrière c'est pour être sur la trace des extraterrestres. Et là, je vais vous montrer quelques petits trucs si je trouve, bien sûr. Alors attendez, laissez-moi chercher quelque chose. Donc voilà. Voilà. Ici. Ou ici. On peut. Voilà. Vous faites ramasser et normalement, vous trouverez des trucs de l'espace. Donc quand je dis des trucs de l'espace, c'est-à-dire. Alors, quand je dis espace. Je pense, par exemple, à des. Vous êtes d'accord? Quand je dis espace, par exemple, on peut penser à des bêtes un petit peu bizarres, à des extraterrestres, à des armes, pourquoi pas, des extraterrestres. On peut penser à tout un tas de choses. Alors, quand eux, ils disent plutôt de l'espace, eux, c'est carrément, carrément des animaux de l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, on pourra avoir, comment ça s'appelle? Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des limaces bleues de l'espace à 3 yeux. On peut avoir plein de choses. Alors, Eureka, Marie Coronneau a fait sa deuxième découverte et a noté une idée qui pourrait peut-être créer un sérum nourriture synthétique. Cliquez sur le bouton carnet en haut nanana, pour en savoir plus. Donc, je vous avais déjà montré où se trouvait le carnet. C'est ici, dans la vidéo. De comment ça s'appelle? Faute de plantes. Ah, je ne sais plus parler. J'ai fini. De. Ça y est, c'est fini. Je n'y arrive plus. Des détectives, voilà. Voilà, je vais y arriver. Hein, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Allumer un conservateur d'impulsion. Alors, conservateur d'impulsion, pardon. Donc peut-être qu'on peut au final peut-être l'utiliser, mais je crois que ça nous sert strictement à rien. Mais je veux le poser là, c'est bon. Pose-le. Voilà. Alors allumer. Et là, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait ça. Alors ça fait très mal aux yeux quand on regarde de proche. Je suis désolée, mais je vais vous montrer un peu. Oh là là, ça donne mal à la tête. Là, on a une espèce de. En fait, on dirait que c'est des planètes. On dirait qu'au milieu il y a le soleil et là il y a tout le système solaire autour. Mais bon, c'est des tout petits ronds, hein. Je sais pas si vous voyez là. Un petit rond violet, un petit rond vert. Ah non, on dirait que les ronds parcourent.
le tour, on va dire, du soleil. Bon, je sais pas ce que c'est là, ça nous sert à rien. What? Où elle est? Elle est là-bas. Bonjour. Dois y aller. Oh, mais non, mais elle est fainéante. Bon, c'est pas grave, t'arrêtes de tout faire là. Non, 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 calme-toi. Le jeu, faut qu'il se calme. Alors, faire une analyse. Pardon. Contempler un concert. Non, mais ça, y a rien à contempler là-dedans. Je suis désolée, y a rien. C'est un rond qui tourne. Ah non, ça fait moins. Ah oui, mais j'avais mis. Ah oui, c'est vrai que si on met comme ça, en effet, ça fait mal aux yeux. Oui, non. Ah, attendez, un jour, j'essaierai de mettre le son là. Ça fait mal aux oreilles là. C'est. Je sais pas, c'est quoi ce bruit? Mince, j'ai vu. C'est quoi ce bruit? Donc voilà. Donc en effet, il y a trois ronds par contre. Pardon. Il y a un rond violet sur le rond violet. Sur le cercle violet. Il y a une petite pierre. On peut dire que c'est des pierres. Hein. Une pierre bleue qui tourne sur le cercle bleu. Et une mini perle, on va dire, verte qui tourne sur le cercle vert. Le plus proche du soleil. Je pense que nous sommes la planète bleue. Si c'est ça. Si c'est considéré comme ça. Voilà. Alors attendez, elle va contempler ça. Parce que sinon, ils vont pas être contents. C'est bon, on finit là dans 2 heures. C'est bon, faut pas abuser. Il nous stresse, il nous stresse. Et là, vous pouvez voir qu'il y a observé le ciel. Waouh! Et t'as envie de manger. Mais on s'en fiche. Est-ce que je pourrais pas faire un petit code de triche? Pour une fois, ça marche. Voilà. Voilà. Et donc, je redis pour certains, pour enlever la barre de besoin, on va dire. La barre pour celle-ci. Mince. Celle-ci. Que vous faites apparaître, que vous faites apparaître en maintenant Shift, CTRL et C. Et ben là, vous faites exactement la même manipulation pour l'enlever, tout simplement. Donc voilà, je reviens sur plusieurs vidéos en même temps. Désolée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Préparer un sérum, mais je sais pas pour toi c'est quoi, ça veut dire quoi tes plantes? Ah, on a obtenu de la cidroline. Alors, on peut le boire? Non, pas du tout. J'ai vraiment n'importe quoi. Ça ne se boit. Mais j'ai pas dit acheter des graines, je veux récolter. Non, mais non! Je veux récolter. Ah, d'accord, la qualité elle est carrément moisie là. Ah ouais, des fraisiers, on va manger. T'es trop mal à l'aise. Ah oui, j'ai oublié de. Mince, mince, j'ai oublié de la remettre à jour. On ne regarde pas les gens aux toilettes. Je suis désolée. Voilà. Finis tes besoins tranquillement. Oula! Oula! Oui, c'est vrai, c'est les bugs. C'est vrai, je vous l'avoue. J'ai beaucoup de Sims qui ont bugué. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faire quoi d'autre? D'accord, on est. Ah! Ah, on a déjà été promu, tiens. Ça alors. Alors, quand vous êtes promu pour la toute première fois, que vous avez atteint, bien sûr, les 3 étoiles en haut, vous devenez apprentie inventrice. Elle gagnera 9 € 9 Simfoos de plus. Et donc, elle a reçu en bonus 192 Simfoos, de nouveaux vêtements, voyager dans les étoiles. Et on travaille bizarrement. Enfin, voilà. Donc, voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Et surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis ciao ciao et à bientôt tout le monde. Bisous!